Christophe Ravion, je travaille en tant que SDM, donc Service Delivery Manager. Je suis responsable de tous les contrats de conseil et support. Et je travaille pour Progélis sur l'agence de Lyon. C'est un métier qui a été dur à construire parce qu'il faut des compétences techniques, il faut qu'on puisse piloter et interagir avec les clients sur une partie technique. Donc il faut avant tout des compétences techniques. Après, il faut aussi des compétences. On va dire un petit peu pilotage de projet, voilà. Ça, il faut une certaine appétence pour pouvoir correctement coordonner les projets, mais aussi les relations humaines. Et du coup, il faut une fibre un petit peu commerciale pour pouvoir faire cette animation, animation des comptes et des différents clients. Après, il y a une partie aussi comptable, financière, où il faut être très carré pour pouvoir bien suivre du coup tout cet aspect-là. Une journée type, c'est avant tout déjà regarder les mails, parce que du coup j'en ai aussi bien des clients qui me font des demandes. J'ai des mails aussi du coup des différents consultants que je vais planifier sur des prestations. J'ai aussi des mails du commerce en lien du coup avec tous les contrats de conseil support. J'en ai aussi avec le service client, donc tout ça j'ai besoin de le surveiller. Ensuite du coup j'ai la gestion des prestats et des leads. Donc les prestats c'est tout ce que j'ai planifié, vérifier que ça se passe bien, savoir où ça en est, si c'est bien traqué aussi. La gestion des leads, c'est tout ce que j'ai pu détecter chez les clients et je vais regarder du coup où j'en suis par rapport à l'avancement de tout ça. Ensuite, j'ai une partie prospection que j'essaye de faire aussi pour essayer d'animer les contrats parce qu'à un moment donné, j'ai presque 120 contrats de conseil support. Il y en a une partie qui a du mal à vivre parce que les clients ont pris plutôt un contrat de support et du coup, des fois, ça s'oublie. Donc voilà, j'essaye d'animer tout ça, faire de l'animation et donc faire de la prospection. J'ai une partie plutôt réactif parce que de temps en temps il y a des incidents et du coup j'ai le client qui va m'appeler ou je reçois des mails et voilà il y a une cata qu'il faut essayer de traiter donc on va essayer de regarder dans les agendas, de regarder du coup avec le service client si tout est bien géré. Voilà. Et puis après j'ai une partie administrative, alors c'est pas tous les jours, mais du coup je vais surveiller les contrats, leurs soldes, je vais regarder du coup pour prévenir avant. Qu'on arrive en négatif pour faire des renouvellements. Je vais regarder du coup toute la partie facturation. Voilà.